Bonjour tout le monde, bienvenue à Secret Violoniste, votre émission web pour tout ce qui touche au violon. Je m'appelle Jean-François McDonald, je suis professeur de violon chez l'école de musique mildarviolon.com. Et aujourd'hui, comme à tous les dimanches, bien, on fait un webinaire ou un, un épisode de Secret Violoniste où vous allez apprendre tout sur un sujet en particulier. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on était pour parler de comment mieux pratiquer son violon. Parce que oui, mesdames et messieurs, on peut mal pratiquer son violon. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des trucs, des façons d'approcher votre pratique, qui va faire en sorte que vous allez être, comment je pourrais dire ça, que vous allez pouvoir optimiser votre temps. Donc ça, c'est le sujet du jour aujourd'hui. Euh, et je vous parle un petit peu. Euh, Mildan Violon, c'est une école de violon en ligne où vous pouvez apprendre à jouer du violon avec une combinaison de tutoriels vidéo. Et aussi des rencontres par visioconférence, donc avec un professeur en privé. Par exemple, vous me rencontrez et puis euh, je regarde votre technique, je vous donne des conseils, on s'amuse ensemble. Euh, et bref, j'essaie de, de, de vous aider à trouver la meilleure façon de progresser au violon. Donc, ce sont des cours privés, juste avec une personne. Et aussi, on a les tutoriels qui vous permettent à part d'avancer au maximum par vous-même. Fait que cette nouvelle combinaison-là, je dis nouvelle, ça fait quand même 5-6 ans qu'on fait ça chez Mildor Violon, là, mais cette, cette façon. Là, révol ré révolutionnaire, <laughs> c'est bon à dire ça, révolutionnaire, hein? c'est pas, pas petit, rien qu'un peu. Mais cette nouvelle façon-là, bref, d'apprendre le violon, euh, ça va vous permettre d'apprendre de la bonne façon, d'avoir toutes les informations. Bref, vous pouvez aller jeter un œil sur euh, mildorviolon.com euh, et même, je vais faire plus que ça en fait, parce que je veux vous donner un peu un aperçu de comment ça fonctionne quand vous apprenez chez mildorviolon. Puis inquiétez-vous pas, on va parler du sujet tout de suite après. <laughs> Donc, je vous montre une petite promo pour vous montrer un peu c'est quoi Mildor Violon. Puis après ça, bien, on revient, puis on va parler de, du sujet, quelques annonces à faire avant, par exemple. C'est parti. Bonjour aux futurs violonistes. Si vous rêvez de jouer du violon, le site Mildorviolon.com a exactement ce qu'il vous faut. Des cours en ligne pour apprendre le violon chez vous à votre rythme et selon votre horaire. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement pour apprendre solidement les bases du violon. Cliquez simplement sur S'inscrire au cours et jouez enfin du violon comme vous en rêvez. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com. Donc voilà, euh, sur notre site web, c'est là que vous avez nos, nos cours. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, on élabore sur un sujet, mais si vous voulez avancer vraiment pas à pas, puis qu'on vous dise 100% comment faire pour apprendre le violon de la bonne façon, avec une bonne technique classique, ben à ce moment-là, allez voir notre site web. Donc, aujourd'hui, on est live sur Facebook, YouTube, euh, Twitch et comme d'habitude sur Mildorviolon.com, dans le groupe Facebook Violoniste débutant, etc. Si vous voulez m'écrire, si vous voulez que je réponde à vos questions, parce que je vais faire ça régulièrement à travers le webinaire, écrivez votre prénom en majuscule, suivi de votre question, commentaire ou insulte. Okay? Euh, donc voilà pour ça. Euh, en même temps, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook... Facebook, un petit partager, ça aide vraiment beaucoup à élargir la communauté, puis ça aide beaucoup aussi à, euh, à pouvoir donner du meilleur contenu. Parce que plus qu'on est, bien évidemment, plus qu'on a les moyens de vous présenter ce genre de, de contenu-là. Euh, si vous êtes sur YouTube, si vous voulez pas manquer des webinaires, ou de temps en temps avoir un petit reminder pip pip, comme quoi que on, a un, on a un live euh, vous, vous, puis pour savoir si c'est un sujet qui vous intéresse etc ben euh, cliquez sur euh, donc s'abonner subscribe okay? <laughs> donc voilà pour ça euh, après ça euh, donc euh, je, ça j'ai dit ça j'ai dit ça j'ai dit je vous dis bonjour à tout le monde qui sont là présentement content de vous retrouver donc bonjour à Elise Lise Nora euh, Feuilleté saucisse bonjour euh, the Rotation Family, Pauline est de retour en force. Euh, Pascal qui est là, salut Pascal. Euh, Nora qui est live, oh oui, et non pas seulement en diffusée. Salut Nora, Nora qui est autrice ou auteur, je ne sais pas dans votre coin de pays qu'est-ce que vous préférez dire, mais bref, très content, euh, très content que tu sois là. Et je dis ça parce que Nora, non seulement elle va sortir son premier livre bientôt, mais. C'est un livre qui est aussi inspiré de notre communauté Facebook. Bon, pas à 100%, mais il y a quand même des liens. Je pense qu'elle va présenter des gens comme par exemple un certain Mac Farmer. Je n'ai rien dit. Donc un, un certain Mac Farmer ou je pense qu'il y a un Pascal aussi. Donc Pascal, je te dirais que ça serait peut-être bien que tu regardes le livre. <laughs> Elle te déclare son amour et tu ne sais même pas. Non, c'est une joke, c'est une joke. J'ai pas dit ça, Nora. C'est pas vrai. Puis le mari de Nora qui est à côté, qui écoute ça, qui est comme Hey, c'est qui ça, Pascal? C'est correct. <laughs> C'est des farces. Bon, bref, euh, pourquoi je vous dis ça? Parce que Nora va bientôt présenter euh, donc son, euh, son tout premier livre. Et je vous le dis parce que ça s'en vient, c'est le 22 février. Donc, euh, si vous voulez, euh, moi j'aime moi, ça. Écoute, c'est mon ami Nora. Puis j'aime ça pouvoir présenter justement euh, des, des trucs comme ça. Ça parle de violon, ça parle aussi de, euh, du groupe Facebook Violoniste débutant, qui d'ailleurs est un groupe que si vous n'êtes pas déjà abonné, euh, allez regarder cela. <laughs> Excuse-moi, je viens de voir euh, Nora qui réagit. <laughs> Il y aura des vaches aussi dans mon roman. Oh, génial! <laughs> C'est bon. Euh, Qu'est-ce que je disais là? Je, 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 je fais trop de parenthèses dans mes parenthèses. Hey, J'ai pas fini de dire bonjour aux gens. <laughs> J'y vais, attention. Donc Pascal Nora Anne salut à Isabelle Canto Elisabeth bonjour à Mille d'Orvion, ça c'est moi qui ai écrit Jean Marianne Nancy Roseline faut que je trouve d'autres personnes qui ah Melissa salut Melissa bonjour Valérie Brigitte Facebook user, bonjour. Clara qui est là. Euh, Anaïs, euh, Nadia, Caroline, Dominique, Angelina. Euh, je veux être sûr de ne pas en oublier, mais ça va vite. Euh, Jennifer, salut euh, Jennifer. Donc, euh, bref, bonjour à tout le monde. Tr euh, ben bonjour à Benoît qui vient d'écrire. Salut Benoît. <laughs> Très content que vous soyez là avec moi. Donc. Euh, donc, bref, encourager Nora, ça sort le 22. R restez dans le groupe, on va l'annoncer aussi dans le groupe Facebook, Viennese Débutant. Je pense que ça vaut la peine d'encourager quelqu'un qu'on apprécie dans le groupe. Euh, voilà pour ça. <laughs> old, Mac uh, old Mac Farmer had a farm. <laughs> c'est Nancy qui écrit. yo. <laughs> c'est vraiment, là. Voilà, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi avant qu'on commence le sujet du jour Alors, on y va dans l'ordre. Je vous l'ai dit, inscrivez-vous. À, euh, le groupe Facebook Violinistes Débutant, c'est là qu'est qu toute la communauté. Euh, et vous allez voir, on a une belle communauté des gens qui se répondent en ce moment sur le, sur le fil, soit sur YouTube ou Facebook, etc. Mais euh, c'est le fun, c'est direct, c'est des gens qui apprennent le violon comme vous. On a du plaisir et il y a un lien direct vers notre groupe Facebook, c'est violoniste-débutant.com. Donc euh, voilà pour cela. Deuxième nouvelle, euh, qu'est-ce que c'est Ah oui, aujourd'hui, c'était le défi spécial jouer pour un, une proche. Et donc. Ben, il, euh, il faut faire le tirage aujourd'hui. Donc bientôt, on va euh, faire le tirage parce qu'il y a des gens qui justement ont on fait le défi. Euh, et bon, prochaine annonce, le 26 février, nous allons faire un nouvel atelier intermédiaire euh, où euh, je vais vous enseigner euh, le rêve du diable. Donc, euh, allez voir ça sur Internet. Vous allez faire à peu près un saut périlleux arrière avec, avec votre cœur. <laughs> Parce que c'est impressionnant à voir. Mais c'est quelque chose qui est abordable. Donc, si vous avez une année ou deux de violon, ben, on ne fera peut-être pas à la vitesse euh, fou euh, dans tête, mais on va quand même apprendre à jouer rapidement. Je vais vous donner des trucs. Je vais vous dire comment faire euh, certaines choses au violon qui font en sorte que c'est plus facile à jouer rapidement. Et en même temps, ben, ça va vous permettre de faire un beau rigodon. Donc, euh, entrer dans, dans l'esprit euh, de, de, de la période de la cabane à sucre, parce que le 26 février, on va être très proche euh, euh, du temps de. Des sucres au Québec. Donc, euh, ceinture fléchée, on sort les cuillères à bois, tam, tidadam, puis ah ouais, on y va, puis on joue du violon. Fait que Ça va vous mettre un peu dans l'esprit, ça va vous permet d'apprendre un bon rigodon québécois. Euh, donc, voilà pour ça le rêve du diable qu'on apprend le 26. J'ai-tu d'autres choses que je pas dit euh, Oui, 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 oui. Là, je pense que, c'est quoi Je vais faire différente d'habitude. D'habitude, j'attends dans le milieu du webinaire pour dire qui a gagné le concours. Là, vous avez bien participé. Je me sens dans un bon mood. Fait que je vous l'ai dit, le concours qu'il y avait, qui était ben, le défi, premièrement, où ce que les gens devaient jouer pour un proche. C'est ça le but. Voir quelqu'un qui vous est cher dans la même image que vous en train de jouer un violon, euh, du violon à cette personne-là. Mauvaise structure de phrase, mais la vie est belle pareil. Et donc, ça vous. <laughs> C'était vraiment intéressant. Il y a eu des beaux moments qu'on a pu voir ensemble. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont participé. Euh, et donc, euh, là, c'est le temps maintenant de faire le tirage parce que venez avec ce défi-là, la, la possibilité de gagner trois mois de cours par visio gratuit. Donc, avec moi. Euh, et donc, euh, ben voilà, c'est le temps du tirage. <laughs> Allons-y. Euh, J'ai des s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Euh, Nadia qui dit c'était très beau, je suis d'accord. Euh, oui, effectivement, Isabelle dit, le rêve du diable, plus en diable que ça, tu meurs. Exactement, on va s'amuser et ça va soigner la compagnie. Donc, c'est parti, euh, je fais donc le concours, j'ai tous les noms ici des, des personnes qui ont participé. Donc, euh, ce concours est vérifié par euh, McDonald's et Mildor, <laughs> la firme externe. <laughs> c'est parti, je paye sur un bouton, ça va me donner un chiffre, puis ça va me dire exactement la personne qui gagne. Donc les trois mois de violon. De cours de violon. Par visio. Gratos. Êtes-vous prêts? Je fais du temps là, juste pour vous écœurer. OK, attention. C'est parti. OK. Oh yeah! Oh, je suis content! <laughs> Alors, la personne qui remporte donc trois mois de cours gratuits avec moi. Donc, ça veut dire une rencontre par semaine avec moi, où est-ce qu'on va, euh, on va jouer ensemble, on va s'amuser ensemble, on va découvrir des trucs de violon, etc. Donc, bref, je vais l'aider à essayer de progresser. Euh, C'est quelqu'un qui a participé à beaucoup de défis antérieurement, euh, une personne que j'apprécie beaucoup, euh, qui a une belle personnalité. Donc, je suis vraiment content de lui, euh, de lui donner donc, euh, ces trois mois-là. <laughs> Roulement de tambour. J'aurais dû le préparer, ça aurait été cool. Mais je ne l'ai pas fait fait que c'est pas cool et donc la personne qui gagne c'est Lucie Courbe donc euh... <laughs> félicitations Lucie donc c'est toi qui gagnes le trois mois de cours gratuit avec moi euh, très content donc euh, que je pu... que je vais très content du fait que je vais pouvoir t'enseigner pendant ces trois mois là donc euh, voilà et félicitations à tous ceux qui ont participé donc euh, c'était c'était très bien. Oui, effectivement. Kanto qui dit félicitations. On a des applaudissements. Donc bravo, Lucie, euh, dit Anne Charbonneau. Et donc euh, bravo, Lucie, en effet. Euh, et donc euh, voilà pour ça. C'était le résultat de, du concours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir d'autres concours, Jean-François Oui, il va y avoir d'autres concours. Et il y a beaucoup aussi de contenu très intéressant qui s'en vient. Félicitations, Lucie. Profite bien, d'Inora. Nora. Euh, Valérie qui dit félicitations. Euh, Facebook qui me dit « Félicitations pour avoir reçu 100 messages. <laughs> » Merci, Google. C'est très, très cool. Euh, « Bravo, Lucie », dit euh, Elisabeth. « Bravo », dit Mélissa. Donc, euh, voilà pour ça. Donc, euh, c'est Lucie euh, qui, euh, qui remporte, donc, euh, ce trois mois de cours gratuit. Alors, allons-y au sujet du jour. Est-ce que j'y ai. pas pire? 12 minutes? OK. Alors, première chose. Avant même de commencer, je veux que vous participiez. OK? Je vais vous poser la question suivante. Donc, on, on, on parle de mieux pratiquer son violon. La question est la suivante. Quelle est la pire chose qu'on peut faire lorsqu'on pratique son violon? Je veux vous entendre, je veux, euh, je veux que ça joue, je veux, que, je veux savoir euh, que, quelle est votre idée sur la pire pratique qu'on peut faire. Là, dites-moi pas, si un bulldozer nous tombe dessus, ça se pourrait que ça pratique mal, OK? Mais, tu sais, <laughs> ça se pourrait que ça soit très terrible. Mais je parle, tu sais, dans le quotidien. La pire chose qu'on peut faire quand on est en situation de pratique. <laughs> Ou si vous voulez rire puis niaiser, euh, en fait, allez-y, je veux dire. <laughs> si vous voulez me parler de situation de bulldozer, moi, j'ai aucun problème. On va rire, puis ça va être le fun. La pire chose, dit Nora, répéter une pièce du début à la fin. Or, je suis donc content, je suis donc content exactement... <laughs> Pascal qui dit faire ses gammes. <laughs> oui, c'est sûr que c'est pas le fun. Là, mais casser son violon, dit feuilleter saucisse », c'est bon. Manger. <laughs> faire des mouches, dit euh, Nadia, non. Euh, jouer une seule fois et ne pas faire de boucle et passer au, au morceau suivant, tellement, effectivement, tout à fait d'accord. Jouer à contre-coeur n'aide pas à faire de jolies notes, tout à fait, euh, Clara, tu as tout à fait raison. Euh, Qu'une corde pète, dit euh, Anne, <laughs> adapté. Une, euh, adopter une mauvaise position, oui. Tomber dans la facilité, dit euh, Nathalie. Donc vouloir brûler les étapes, jeter le métronome, exemple. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. La, la réponse que je cherchais. Oh, ah, vous en avez des bons. Euh, il faut jouer avec son cœur, dit Clara. Ça, c'est tout à fait vrai. Pratiquer longtemps sans but précis. Tout à fait euh, d'accord avec toi, Valérie. Il faut avoir un, une idée. Il faut avoir un. un il faut savoir où on s'en va souvent. T'sais. C'est comme si je te dis « Ok, euh, va à Paris, je ne te donne pas de carte, pas de boussole, pas rien. » Je te dis « Go, vas-y. <laughs> tu sais, » Ce c'est pas la même chose que si tu as ton GPS. Tu sais, as la route la plus euh, franche, tu sais où ce que tu t'en vas. C'est un peu le même principe que quand on a un prof qui nous donne, par exemple, euh, les points à travailler pour soi en fonction de où sont euh, nos, nos points faibles. Puis là, après ça, il nous dit aussi quoi faire, exactement les bons exercices pour y parvenir. Et ça, c'est pratiquer intelligemment. C'est d'avoir un but clair devant soi. Moi, mon but il est là-bas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé qu'il était là. C'est tu sais, dans le coin supérieur droit de mon écran. <laughs> fait que bref, euh, ouais, c'est ça. Avoir un bon but, un bon précis. Tout à fait, Valérie, je pense que c'est très, très bien. Euh, Eric qui dit, ne pas se pardonner de, 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 de l'avoir du premier coup. Oui, ou se fâcher puis euh, laisser tomber, effectivement. C'est une des pires choses, effectivement, parce qu'on n'y arrive pas du premier coup. Je vous le dis, ça ne m'arrive pas plus. Hein? <laughs> Vouloir trop en faire à la fois, dit Lise, ça c'est vrai. Faire des erreurs toujours les mêmes sans jamais, euh, sans jamais prendre de cours. Ben ça, écoute, je suis content que tu dises ça. C'est vrai, c'est exactement ça. Tu sais, rester trop longtemps avec le même, la même situation où c'est problématique, puis jamais aller chercher de l'aide, tu sais un cours, là, même si c'est juste un cours, ça peut faire une différence. Là. Le professeur a l'expérience, regarde, donne un truc, « Woup, t'es parti! » Donc ça, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Euh, donc, voilà pour ça, mais ce que je cherchais, c'est exactement ce que Nora a dit dès le début, c'était répéter une pièce du début à la fin. Ça là, exemple, pensez-y. Allons-y bien simplement. Je fais 30 minutes de pratique. Ma pièce... Pour la jouer du début à la fin me prend trois minutes. Bref, je vais avoir joué ma pièce dix fois. Puis, parce que j'ai été du début à la fin de la pièce, j'ai répété les mêmes erreurs sans jamais vraiment les travailler, sans jamais vraiment aller au cœur de qu'est-ce que je veux faire. Puis finalement, mais qu'est-ce que ça fait Ça a fait 30 minutes que j'ai un peu comme, si tu veux, jeté aux poubelles. Oui, je vais progresser, mais je vais progresser. J'ai fait dix fois les mêmes erreurs, je ne les ai pas vraiment travaillées. Peut-être que rendu à la dixième fois, j'ai essayé de contourner le problème, mais c'est un, un essai. Ce n'était pas nécessairement parce que je l'ai fait plusieurs fois, etc. Donc, ça fait en sorte que ben, on prend beaucoup de temps pour faire peu. Et donc, mieux pratiquer son violon. Qu'est-ce que c'est essentiellement? Bien, c'est optimiser son temps. Et je pense que c'est là où... Euh, on va avoir des trucs intéressants aujourd'hui que je vais vous présenter. Ah, c'est le fun, j'aime ça. Vous, euh, vous vous écrivez, vous écrivez beaucoup. Euh... Tu, 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 tu. <laughs> ok, vous répondez entre vous, c'est correct. Euh... De. Ah, ce qui dit. J'ai hâte qu'on parle de boule à facettes. J'ai hâte qu'on parle de boule à facettes. Anaïs, il va falloir que tu m'expliques. <laughs> je ne comprends pas. Euh, Diane, dit, « hey, salut. Euh, di Mon Dieu, hey, ma mère est là. Salut, euh, maman. Bonjour. Très content que tu sois là. <laughs> ma mère apprend le violon aussi. D'ailleurs, on l'a vu pour la première fois cette semaine, la semaine passée. Donc, <laughs> un moment surprenant pour son fils. Ok, ma mère qui. Euh, C'est non. C'était non. C'était non. C'est non. Ça a pris Nancy qui est venue chez nous. Ben oui, euh, qui est venue chez, en fait, chez, je dis chez nous, chez mes parents. Pour euh, motiver ma mère. Une fois qu'elle est bien crainquée, là. Hein? Ça a bien été. C'était pas mal beau, euh, maman. Félicitations. <laughs> OK. Alors, Anaïs qui dit. Il est euh, marqué facette dans ton titre. Mais je vois de quoi ça peut parler d'autre. Facette dans mon titre. Je sais pas. Euh, je peut être. Je sais pas. <laughs> Je, écoute, tu sais, moi, là, quand je marque des titres. Là, Alors, je vais commencer donc avec différents trucs que vous pouvez avoir pour vos pratiques. Puis, je pense que ça va faire une différence. Je pense que vous allez voir que soudainement, si vous appliquez un ou plusieurs de ces trucs-là, ça peut euh, tout changer. On a, euh, on a ma petite fille qui crie en haut. Donc, je vais juste fermer la porte. <laughs> ça ne sera pas long. Voilà, porte fermée. Bonjour! Euh, et on recommence donc avec premier truc, qui est un truc et qui n'est pas un truc aussi, c'est entrer dans sa zone. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, mettons que tu joues du violon, puis que tu vois tes deux enfants se dans le fond, puis que tu as, je sais pas moi, le dernier épisode de ta série préférée qui joue devant toi, puis <laughs> ton mari qui dit qu'il veut te quitter à côté, admettons. <laughs> sais, on pourrait se dire, tu sais, c'est réel comme situation. Puis tu essaies de jouer du violon, ça se pourrait que tu sois un petit peu déconcentré, OK? Donc, un des trucs qui est simple puis qui est presque évident, mais je veux le dire pareil, c'est entrer dans sa zone. Ça veut dire on s'isole, comme je viens de faire avec euh, <laughs> là, je m'isole, j'entends pas les cris. Ou j'entends moins les cris. <laughs> Et là, tu vois, ça me déconcentre. Hein? La preuve est faite. Donc, on s'isole. On s'assure que on a un, un bout de temps, puis essayer de, de vous faire un 20 minutes. Souvent là, 20 minutes de concentration, c'est abordable pour à peu près tout le monde. Puis ça vous permet d'être vraiment plus dans votre zone, tu sais, se concentrer sur quelque chose, pas de distraction, rentrer dans sa zone, c'est déjà quelque chose de bien important. Et après, c'est pas tout d'être dans sa zone, d'être bien isolé, mais c'est de rester concentré pendant 20 minutes. Des fois là. T'sais, pour, pour éviter la distraction, là, on, peut, on peut tout simplement se donner un objectif clair. On prend notre téléphone, on marque un timer 20 minutes, on paye sur On, puis on dit pendant 20 minutes, là, je ne fais que ce que je, je me suis donné comme objectif. Et juste ça, ça va faire une différence. Parce que souvent, t'sais, je te donne un exemple. Je suis en train de jouer, j'ai fait deux, trois mesures, whoop, il y a quelque chose qui me distrait. Ça prend du temps avant de se remettre dans le mood, si vous voulez. Tu sais, ça prend du temps avant de revenir en place puis euh, de penser directement à ce qu'on a besoin de faire. Ou une autre distraction, ça prend du temps. Vous voyez, même mon propos en ce moment, il est interrompu par mes exemples de distraction. Okay? Fait On veut être vraiment dans sa zone, se concentrer. Donc, ça, c'est un premier point simple, mais ce que je voulais dire. Deuxième chose. Ah, si vous avez tout au long de, de, du webinaire, si vous avez des idées pour bien pratiquer, j'aimerais ça que vous écriviez, donc, comme je vous avais dit, votre prénom suivi votre, de votre suggestion de pratique, par exemple. OK? Un instant, je prends de l'eau. Mon eau est prise. Merci. OK, et on continue. Deuxième truc de pratique. Séparer ces pièces en sections. Donc, jamais jouer en entier, sauf pour identifier les problèmes. J'explique. Vous avez le droit de jouer mal à manger. Vous avez le droit de jouer. <laughs> vous avez le droit de jouer une fois dans votre pratique, une fois votre pièce en entier. Pourquoi je dis une fois Parce que souvent, c'est quand même une bonne façon d'identifier facilement les problèmes. Voici ce que je vous suggère. Prenez votre crayon. OK Jouez une fois la pièce, puis à chaque fois que vous arrêtez, chaque fois que vous avez un problème, chaque fois que vous entendez une mouche ou quelque chose que vous aimez vraiment pas. Tu sais, là, le bout dur de la pièce, là, prends ton crayon, on encercle, on encercle. On encercle, on encercle, on encercle. Gageons que dans une pièce qui a, je ne sais pas, moi, une page, ben peut-être que tu vas avoir cinq ou six endroits qui sont plus difficiles que d'autres. Et on essaie d'identifier ceux où -ce on a le plus de difficultés. Donc, on joue une fois notre pièce en entier. Une fois, pas plus. Mais ça, ça nous permet d'identifier. Un coup que c'est identifié, là, on ne joue plus en entier. C'est fini, ça. On sépare notre pièce en sections. On va, on va trouver des, on va trouver des, euh, des bouts difficiles qu'on va jouer. Donc, on va dire, OK, ça, ce bout-là, c'est difficile. C'est ce qu'on appelle, euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une boucle. Okay? Donc, on va... Trouver une façon de commencer en tirant puis finir en poussant à travers ça, puis de pouvoir faire en boucle plusieurs fois. Pourquoi? Parce que, à la différence de ce que je vous disais tantôt, où est-ce que si on joue notre pièce du début à la fin, puis qu'on répète, on répète, on répète, puis ça nous donnait, tu sais, justement, on a. Euh, euh, ça prend 3 minutes à faire, on a 30 minutes de pratique, ça nous fait 10 répétitions qu'on a faites. Si on prend une ou deux mesures, puis on les fait en boucle, la une ou deux mesures, mettons que ça prend, je ne sais pas moi, 5 secondes. Bien, tu en as 12 par minute. Puis à ce moment-là, tu en as 30 fois ça. 3600, <laughs> 360, je ne sais pas. <laughs> vite, vite, là, mais bref, ça fait beaucoup, beaucoup. 30 fois 12. <laughs> 36, 360. Fait que 360 fois où tu peux jouer. Ma question est la suivante. 360 fois, où je répète, où. Mmh ou 10 fois où je répète. D'après vous, est-ce que vous pensez que je risque d'avoir plus de succès après 360 répétitions ou après 10 répétitions On s'entend, ça va être beaucoup plus facile à la fin de 360 fois. OK Donc bref, c'est exactement ça. Puis tu sais, on s'entend, vous fera pas juste ça non plus parce que là Jean-François, Jean-François, est-ce que je vais répéter 360 fois, je vais virer fou mais n'oubliez pas que le génie est proche de la folie. Vous voyez, moi, j'ai répété toute ma vie, puis euh, je ne suis pas fou. <laughs> ah, okay. <laughs> ok. Bref, euh, <laughs> je me suis déconcentré moi-même. Bref, répéter Faire des isolés, trouver des boucles, puis jouer comme ça en boucle. Ça, c'est une, une façon assez simple, mais qui va faire une grosse différence. <laughs> je pense qu'il y en a qui vont trouver euh, assez surprenant. Ok. <laughs> Nadia, Laura. Canto, les rires embarquent. Euh, donc, sépa... <rire> euh, séparer les pièces en sections, jamais jouer en entier, euh, sauf pour identifier les problèmes. L'autre chose aussi, là j'ai dit identifier les bouts difficiles, mais aussi trouver des sections dans, dans une pièce, dans le sens que, euh, tu sais, exemple, le refrain, ça pourrait être la section A. Vous savez, les, vous savez dans des pièces, on peut mettre des, des, des lettres de section, le 1A encadré. Un B encadré. Trouver euh, justement les sections qui sont logiques. Refrain, couplet, refrain, mettons par exemple. Ou section A, première variation. Tu sais, des fois, là, on, a, on a des choses évidentes. La section lente, la section plus rapide de la pièce. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a, il y a un moment c'est évident qu'il y, y a des sections comme ça. Donc, on peut se dire, aujourd'hui, mon objectif est de faire une section. C'est sûr que faire des boucles en tant que telles, ça nous permet de travailler vraiment la technique en particulier. Mais une section en tant que telle peut déjà nous aider à se limiter. Au lieu de faire une pièce au complet, faire une section, c'est déjà, un, déjà quelque chose de mieux. Puis après ça, on, oui, on va aller travailler les micros, les bouts difficiles. Euh, mais aussi... <laughs> ah, j'ai drôle. Un non, oh mon dieu, je viens de faire un bon crise cardiaque. <laughs> On aurait dit Mozart quand tu as fait le fou. <laughs> c'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne. C'est effectivement, as raison. Mais euh, oui, euh, donc, voyez-vous, le génie et la folie. <laughs> fait que. Euh, donc voilà. Des sections de pièces, des boucles, ça peut beaucoup vous aider. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas juste ça comme truc aujourd'hui. Non, mesdames et messieurs, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah oui, après ça. Quand j'ai dit identifier les bouts difficiles, ce n'est pas tout de dire, ici j'ai de la misère, puis après ça de dire, bon, on va le recommencer plusieurs fois. Des fois là, on prend deux secondes pour analyser. Pourquoi? Pourquoi quand j'arrive à cette section-là, mon troisième doigt est toujours trop haut? Pourquoi? Pourquoi quand j'arrive à cet endroit-là, j'accroche toujours une corde? Pourquoi? Donc, trouver les bouts difficiles, c'est une chose. Mais il y a un peu d'analyse qu'il faut faire. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Est-ce que, par exemple, si je, mon doigt est toujours trop haut, est-ce que juste avant, j'aurais pas fait un quatrième doigt ou j'aurais pas fait une extension ou quelque chose comme ça qui fait en sorte que j'attire mes autres doigts vers le haut? Sachant cela, quand je vais répéter, je vais faire attention quand je fais cette extension-là de garder, par exemple, mon troisième doigt un peu par en arrière pendant que je fais mon extension pour m'assurer que, justement, je, je viens pallier au problème. Mais ça, ça se fait si on a bien identifié il est où le problème Il est où <laughs> Right Donc, identifier le problème, analyser le pourquoi des choses. Ça, c'est déjà vraiment. Identifier, là, je l'ai dit. Puis après ça, analyser, puis finalement, trouver des solutions pour pallier au problème. Ça peut sembler tellement évident. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui peut être des évidences. Non, il y a quelques, il y a quelques trucs qui sont. Euh, qu'on n'aurait pas pu penser par soi-même, je pense. Mais quand même, il y a beaucoup d'évidences. Et c'est des choses que des fois, on oublie pendant une pratique. Pourquoi? Parce que. C'est le fun jouer de la musique. On aime ça faire la pièce du début à la fin. On aime ça être en situation de jeu puis un peu s'abandonner à ce qu'on fait. Mais il faut faire attention. Voilà. Ensuite, OK, ça je l'aime beaucoup. On vient d'identifier, exemple, que je ne sais pas, c'est à cause d'un changement de corde que j'ai de la difficulté à jouer. OK, admettons. Euh, je vais faire euh, c'est ça, je joue une pièce, puis là je me rends compte qu'à cet endroit-là, euh, j'accroche toujours parce que je change de corde, puis j'ai de la misère avec mon coude. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va essayer de trouver ce que j'appelle. Moi, ce que je rendu-là, c'est la technique de l'escalier. Peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de la technique de l'escalier, puis peut-être que pour certains d'entre vous, c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'escalier? Bien, c'est simple. Ça part du principe que... Si je veux me rendre au deuxième étage, c'est très dur de sauter, tu comprends? Je vais être un peu. J'arrive! <laughs> c'est très dur de sauter au deuxième étage. Par contre, si je monte un tout petit peu à la fois, ben, <laughs> c'était beau, hein? <laughs> si je monte un tout petit peu à la fois, tu, 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 le principe de l'escalier, ça va bien. Donc souvent, il faut se poser la question. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Mais comment je peux me rendre à, à ce que ce soit facile? Parce que des fois, c'est trop complexe. C'est trop difficile. Je vais vous montrer un exemple, OK? Je prends mon violon, je vais vous montrer une situation que j'ai faite pendant. Bonjour, je suis encore là en passant. Je, je, oui. Ma tête, même si c'est dans hors cadre, elle est toujours présente. Je vais rester comme ça. Ça va vous permettre de vous assurer que non, Jean-François n'est pas parti. Son épaule n'est pas toute seule. OK. Alors, montrer un exemple très simple. Cette semaine, j'ai enseigné une pièce qui s'appelle Le joyeux fermier de Schumann, OK Et ça commence comme ça ici. <laughs> Bravo JF. Il faut que tu joues en public pour que ça donne ça, hein. Bon. OK Et donc ce que ça demande, par exemple, c'est de faire un quart d'archet sur la croche, trois quarts d'archet sur une noix pointée, un quart d'archet sur la croche, trois quarts sur une noix pointée, etc. Mais regardez bien ici. Je vais le faire. On, je, te, je vous le montre. Ok, un quart, trois quarts d'archet, un quart, trois quarts d'archet, un quart. Ça, ça va bien. Mais là, vous avez remarqué qu'en plus, je change de corde. Ok. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça se peut que non seulement j'ai besoin de travailler le fait de diviser mon archer en trois quarts, un quart, trois quarts, un quart, mais en plus, je rajoute une difficulté. Donc, les deux ensemble, c'est peut-être trop difficile à faire sur le moment. Alors, pourquoi, par exemple, ne pas faire la technique de l'escalier? Qu'est-ce que c'est? Je vais travailler d'un côté, par exemple. Je vais, je vais rendre ça plus simple. Première marche de l'escalier. Alors, première marche de l'escalier, c'est quoi Bien, Je vais peut-être faire des cordes à vide, okay, à faire trois quarts d'archet, un quart d'archet. Par exemple, stop, stop. Et donc, qu'est-ce que je fais Dans le fond, je réduis un problème à sa plus simple expression. Je n'ai même pas fait de doigté. J'ai fait des cordes à vide. Et j'ai juste pensé aux trois quarts, un quart. Okay? Après ça. Je peux essayer en changeant, en rajoutant des doigts, pour que la technique soit simple, mais avec des doigts qui changent. Exemple... Troisième étape, là, voyez-vous, j'ai fait une deuxième marche d'escalier. J'ai travaillé ça pendant un bout de temps. Imaginez que vous pratiquez ça pendant quelques, quelques minutes jusqu'à temps que c'est vraiment facile à faire. Troisième étape, OK, il y, y a des changements de corde. Bien, regarde qu est ce que je vais faire. Je vais faire la même technique en changeant de corde, en m'assurant de penser à mi niveaux de coude. Parfait, je vais faire ça. Troisième étape de l'escalier. Coude. Stop, coude. Stop, coude. Déjà là, plus dur à faire. Voyez-vous? Et ça, je fais ça plusieurs, plusieurs, plusieurs fois comme ça. Troisième étape de l'escalier, quatrième étape d'escalier. Peut-être que, ben à ce moment-là, je suis rendu à faire justement tout ça ensemble. Puis là, peut-être que. Mon beau complet, c'est peut-être pas une idée. C'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que je vais faire en boucle juste ce passage-là du genre. Et je recommence. Juste pour travailler ça. Jusqu'à ce que ce soit bien maîtrisé. Là, ça paraît pas parce que je le fais déjà bien. Mais quand vous allez, par exemple, faire un bout similaire comme ça, la première fois qu'on arrive à une nouvelle étape de l'escalier, ça se peut qu'on passe un petit peu plus de temps à travailler là-dessus, puis pour finalement, après ça, dire OK, là, ça va mieux, là, je passe à la prochaine étape. C'est pas vrai qu'on fait étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Voilà, ça fonctionne! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. <laughs> Pourquoi? Parce que. Ça nous prend le temps de devenir habile. Ça, chacune des étapes comme ça peut prendre du temps. Tellement que vous allez peut-être arriver à une certaine. Lorsque vous divisez le problème en, petit, en petites étapes comme ça, il peut arriver que vous arriviez à une étape. Exemple, quand je changeais de corde, OK? J'ai remarqué moi-même que ça faisait un bon. C'était plus difficile à faire. Pourquoi? Parce que je dois penser au coude à changer. Peut-être que ce n'est pas le temps de faire tout de suite trois quarts, un quart d'archet. Peut-être que je vais juste travailler à changer de corde pour à, et bien établir mes niveaux de coude. Quand c'est bon, je vais essayer de faire deux liés. Quand c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, une étape, on peut la rediviser en cinq autres étapes. Puis là, à ce moment-là, au lieu de faire quatre marches d'escalier, on en a fait cinq, six, sept, huit. Huit marches d'escalier. OK? Pourquoi? Parce que justement, la technique de l'escalier nous dit ça ici. C'est des petits pas qu'on doit faire. Puis des fois, on identifie une marche, puis on pense que c'est une marche. Puis finalement, ce n'est pas une marche, c'est cinq marches. Puis peut-être qu'une marche, ce n'est pas une marche, c'en est dix. Réduire à la plus simple expression, c'est une chose. Puis après ça, Trouver des étapes, quitte à, les, à même les écrire, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, pour m'amener à faire les choses. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la technique de l'escalier, de nous amener très graduellement à faire un problème. Qu'est-ce que je fais? Je rends ça facile, mais avec toujours comme objectif de me rendre finalement à ce que je veux réussir. Et donc, comme ça, graduellement, on augmente le, le niveau de difficulté jusqu'à pouvoir le faire ce bout-là. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent euh, « La prochaine fois, changer pratiquer par jouer, ce sera encore plus le fun. Ouais, bien, euh, tout à fait, Anaïs. Mais ça, je pense que tu, tu marques un. Ah, que tu répondais à Alice. Mais oui, pratiquer, jouer, tu sais, on s'entend. C'est un peu la même chose, c'est simplement dans notre façon d'aborder les choses. Moi, j'ai remarqué une chose dans la vie qui est bien simple. Puis ça, ça n'a pas rapport avec le code aujourd'hui. On se met un sourire dans le visage, puis, sais-tu quoi? Souvent, la vie est plus belle juste parce qu'on s'est mis un sourire. Des fois, là, on est comme... Ah, non, mon cerveau ne fait pas la différence. J'ai souri, puis soudainement, je me suis mis à être heureux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça... Je, je, on, dirait que, on dirait que je suis, je suis heureux. Puis, tu sais, c'est drôle, hein? Mais tu as raison, Anaïs. Si tu penses à pratiquer, ou tu penses à jouer du violon, ou tu penses à dépasser ma limite et être fier, être fier de moi quand je vais le réussir, c'est différent que « Ah oh non, mon Dieu, il m'a répété 50 fois encore les mêmes affaires. Ah! Puis capable, puis capable, puis capable! » C'est beau, hein? Mais c'est ça. Je pense que tu marques, tu marques un bon point. Euh... Est-ce que Lucie est là? Je sais pas, j'ai vu quelqu'un qui parle à Lucie. Est-ce que Lucie est ici? Non, je ne pense pas. Ah oui, Lucie! <laughs> euh, coucou, je vous rejoins juste quelques instants lors d'une pause au boulot euh, pour prendre quelques conseils au passage. Ben, Lucie, tu es là! Suis... <laughs> c'est génial! C'est toi qui as gagné! C'est toi qui as gagné le trois mois de cours gratuit! Fait que, bref, euh, voilà, je voulais juste te dire. <laughs> euh, je suis là? Ben oui, c'est ça! Ok, génial, cool! Fait que, ben, c'est toi qui as remporté le trois mois de cours gratuit avec moi! Fait que on va, pendant trois mois de temps, on va se voir. Oui! C'est vrai! Oui! C'est le fun, je le vois! Pendant trois mois de temps, on va se voir à chaque semaine. Euh, puis euh, ben, on va faire de la musique ensemble, on va s'amuser. Ah, je suis content! Et comme... Oh là 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 C'est cool! Je suis trop contente merci! Ben écoute, ça me fait plaisir! Ça me fait plaisir! Fait que ouais, j'ai hâte, j'ai hâte de te revoir, de, de passer ce. Le rock est crampé. Euh, donc voilà pour ça. Technique. Réduire à sa plus simple expression, puis euh, y, monter les échelons. La technique de l'escalier. Ensuite. Celle-là, vous allez me remercier. ok Je suis vraiment content. Ça s'appelle la technique des deux mesures. Okay? Ça, je l'explique souvent à mes élèves. Pour bien pratiquer, puis mieux pratiquer. La technique des deux mesures, il y, y a une chose particulière qui vient avec ça. On travaille le maintien. Qu'est-ce que c'est que la technique des deux mesures? Ça, c'est une autre façon de bien pratiquer. Essentiellement, la technique des deux mesures, c'est que, si, exemple, vous avez une technique, c'est vraiment, vraiment axé pour réussir une technique, OK? Par exemple, je veux que mon petit doigt soit rond, okay? Puis là, là, je tiens mon archet, puis... Mon archet est bien tenu, puis je me rends compte que mon petit doigt est rond, c'est parfait. Okay? Puis là, je commence, j'ai toujours des bonnes intentions, puis je commence à jouer, puis je me dis, OK, j'y vais. Mon petit doigt est rond, parfait. Puis là, je joue ma pièce, puis à peu près, genre en deux mesures plus loin, là, mon petit doigt est rendu tout droit, puis je ne suis plus capable de, de, de le garder en rond. Puis là, je me dis mon Dieu, pourquoi ça ne marche pas? Le problème, c'est pas que tu ne sais pas comment faire les choses. Euh, parce que tu commences avec des bonnes intentions, mais tu n'es pas capable de le maintenir dans le temps. Okay? Et donc, qu'est-ce que c'est que la technique des deux mesures? C'est simple. Tu prends une section de pièce que tu connais bien, par exemple. Puis là, tu te dis, OK, là, je vais faire deux mesures. Puis mon but, c'est qu'à la fin de mes deux mesures, mon petit doigt est encore rond. Exemple. Là, je parle du petit doigt, ça pourrait être n'importe quelle technique. Par exemple. Je veux que pendant mes deux mesures, ma main gauche reste bien droite comme ça. Puis, je répète plusieurs fois jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'à la fin de mes deux mesures, ma main est encore droite. J'ai réussi à le faire pendant deux mesures. Youpi de l'idou, j'ai peine à y croire. Si tu es capable de faire deux mesures, tu es capable d'en faire quatre. Ça, c'est sûr, sûr et certain. Pourquoi? Bien parce que tu as réussi à le faire pendant une période de temps. Là, maintenant, on prolonge la période de temps. On a fait deux mesures ou est-ce qu'on a réussi notre technique? Génial! On va faire maintenant quatre mesures. Quatre mesures où tu dois euh, t'assurer que ton petit doigt reste. Et cela, c'est puissant, mesdames et messieurs! C'est puissant comme, comme exercice. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas de réussir à faire quelque chose, c'est de le maintenir. Je sais comment faire pour que mon archet reste droit. Mais il reste pas droit. Je commence au début, ça va bien. Puis un moment donné, whoop, mon coude se met à embarquer. Puis whoop, mon archet est plus correct. Ma main est plus droite. Mon petit doigt change. Est... Donc toutes les, pensez à ça. Toutes les techniques où je réussis quand j'y pense, mais que dès que j'y pense plus, je ne réussis pas, c'est un bon candidat pour la technique des deux mesures. Je ne me concentre que sur ça et je ne me concentre pas à le réussir. Je me concentre à le réussir, à le maintenir. Vous voyez la différence? Donc, justement, dans la technique des deux mesures, c'est ça. Je veux la réussir pendant deux. J'ai réussi pendant deux, pendant quatre. J'ai réussi pendant quatre, je veux la réussir pendant six. Pour qu'à la fin de mes six mesures, mon petit doigt est encore droit, ma main est encore droite. Tu ne fais pas tout en même temps. Tu peux penser à juste une chose comme le petit doigt ou juste une chose comme la main, mais tu dois le réussir dans le temps. Et le plus beau de la chose, c'est quand tu vas être rendu à 10, 15, 20 mesures, ou est-ce que tu as justement, à coup de deux mesures comme ça, tu vas rajouter du temps, à un certain point, là, tu vas être capable, peu importe la durée, parce que tu vas avoir travaillé ton maintien, ta capacité à maintenir la bonne technique. C'est énormément puissant comme chose à faire. Et c'est drôle, hein? on ne le fait pas. On ne le fait pas comme étudiant. Puis tu es comme, pourtant, là, pourtant. C'est abordable, c'est là, tu sais comment le faire. Parce que regarde, je te donne un exemple. Si tu doutes d'être capable, ça me tombe pour la première fois, tu regardes ton doigt, il tient. OK? Ah, je suis correct. Alors, regarde, Jean-François, j'ai réussi à le tenir. Là, là, ça fait déjà 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes que tu es correct. Joue deux notes. Es-tu encore en même place? Oui. Donc, tu es capable de le maintenir. OK? Et donc, comme tu es capable de le maintenir pendant deux, tu es capable de le maintenir pendant quatre. Si tu es capable de maintenir pendant quatre, si tu es, es capable de maintenir pendant six, pendant huit. Et ça, c'est puissant, c'est vraiment puissant. Ça va te complètement transformer votre façon de faire les choses. Gardez ça dans votre coffre à outils, la technique des deux mesures, tout simplement. Donc, voilà pour ça. Après ça. Euh, merci grâce à toi, j'apprends à faire du violon. Hey, cool! Je suis vraiment content. Anaëlle qui dit ça, hey, je suis vraiment, vraiment content. Hey, écoute, Anaëlle, quand tu écoutes les webinaires comme ça, ça va t'aider, mais il n'y a rien qui va t'aider plus que l'abonnement chez Mildorviolon.com. Je sais qu'il y a des, un peu de frais, là, mais je, je te le dis, ça vaut la peine. Ce que tu penses apprendre là puis qui t'aide, ça va être au centuple quest ce que tu as sur notre site Web, je te le dis. Fait que merci beaucoup d'être là. Honnêtement, je suis vraiment content que tu sois là. C'est vraiment cool. Euh, Laura qui dit, ah toi tu réponds, ok, Benoît qui dit, est-ce qu'une bonne idée pour tenir la position de jouer devant un miroir Oui, ça peut être une très bonne idée pour beaucoup de choses. Jouer devant le miroir peut être très bon pour la direction d'archet, regarder son archet, être certain que ça joue droit. Une des choses qu'on peut faire, parce que c'est spécial un peu, des fois quand on est en train de jouer, on tire notre tête et vers la gauche. Fait que dès le moment qu'on se tourne la tête pour, jouer, pour regarder, on n'a pas la même perspective que pendant on est en train de jouer. Fait que ça fausse les données un peu. Chose qui ne fausse pas les données avec un miroir, voici, tu te places premièrement face au miroir, ton violon à gauche. Pourquoi Pour pouvoir bien voir la direction d'Archelle, à droite. Okay? Si je suis comme ça, ben, tu ne verras pas droite, là. tu ne sauras pas si c'est droit ou pas. Fait que le corps face au miroir, le violon bien sûr à ta gauche comme tu fais d'habitude. Puis à ce moment-là... Tu vas tourner ta tête, tu vas jouer, puis tu arrêtes à des endroits, oups, au hasard, j'arrête là, j'ouvre les yeux, je ne bouge plus, je regarde, Ah, oh, mais hein, mon Dieu, je suis bien trop reculé que mon coude me ferait que je sois là. Oh, ok, comment, comment je me sens là? Ok, faut que je sois un peu plus, comme j'ai l'impression que mon bras y avance un peu plus. Je vais recommencer, voir, pas l'épaule, le bras, mais oui, anyway, je vais recommencer, voir. Puis tu recommences devant le miroir, puis tu arrêtes à des endroits comme ça au hasard, puis tu vérifies tes choses. Super bonne idée. Donc, oui, je t'encourage à pouvoir le faire, effectivement. Euh, Frédéric qui dit Bon dimanche tout le monde, content que tu sois là. Euh, Lucie qui dit Ça représente tellement pour moi. Désolé, JF, j'ai du mal à me concentrer sur ce que tu dis sur le petit doigt du cou, tellement je suis content. Ah, oh, hey, je, je, je vais te dire Ça, j'aime ça. Si, si, ça, si, si je te vois aussi heureuse que ça, là, si tu savais comment moi ça me fait plaisir, j'adore. Génial. Content. Je, ça va être le fun. On va s'amuser ensemble. On va avoir du plaisir. Ça, je suis content de lire. Ça, je te remercie de prendre le temps de l'écrire. Euh, donc, voilà pour ça. <laughs> euh, donc, euh, oui, alors, jouer devant le miroir. Je pense que c'est une bonne idée, effectivement, comme tu dis, Benoît. Ça, euh, ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu. <laughs> Angela qui dit c'est pas 77 fois d'habitude 3... <laughs> maintenant c'est passé à 360 Ben non, c'est juste pour vous dire que imagine que ça prend 10 secondes à faire un exercice, tu peux le faire 6 fois par minute. Si tu le fais 6 fois par minute, tu joues 30 minutes, ben ça fait 180 fois. C'est pas pour dire que tu devrais le faire 180 fois, mais ça te montre une idée qu'on peut optimiser notre temps. Non, non, c'est correct. C'est 77. 77. <laughs> Pourquoi, là, s'il y a des gens qui sont perdus, pourquoi je dis 77? C'est ma prof qui me disait ça. Elle me disait répète 77 fois. Je pense qu'elle me l'a dit une ou deux fois, mais ça m'avait marqué. C'est 77 fois, j'étais comme tu me niaises. <laughs> le chiffre est resté. Fait que je donne ça comme exemple, mais, mais oui, il faut pratiquer beaucoup. Des fois, c'est pas de 77. des fois, c'est 15, des fois, c'est 20. T'sais, tu t'amènes à l'objectif que tu veux faire. Puis finalement, ben, OK. Je l'ai, je le lis. Je ne pas m'acharner. Non, je suis rendu à 17! Ce que je fais est parfait, mais on a dit 77, fait que je vais m'emmerder encore pendant 60, euh, 60 répétitions. Mais non, tu l'as, tu l'as, mais le fait de la répétition est important. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires ou insultes? Je ne vois pas beaucoup de gens qui m'écrivent votre prénom en majuscule, votre question, commentaire ou insulte euh, par la suite. Voilà. Euh... Euh, Anaëlle, tu dis, écoute, je, en fait, je ne comprends pas trop les notes du violon. Ce n'est pas le sujet du jour en tant que tel, mais sur notre site web, tu vas voir, une fois que tu es abonné, tu vas voir que le, du, euh, le chapitre 2 en tant que tel va tout te montrer, la théorie, puis d'une manière vraiment très, très restreinte. Tu peux facilement aller sur mildorviolon.com, puis même si tu ne veux pas t'abonner, puis tu veux juste voir quelque chose, exemple, quelles sont les notes du violon mais tu peux aller sur notre site web, lundarviolon.com, dans le menu tutoriel, puis tu vas voir, tu peux acheter même à la carte juste les capsules qui t'intéressent sur les notes du violon, par exemple. Je vais te montrer comment faire. Mais normalement, là, je te dirais, le mieux pour tout comprendre, c'est de faire le chapitre 2 au complet, puis ça, ça veut dire, tu sais, tu t'abonnes un mois, puis tu vas voir le chapitre 2, tout ce que tu as besoin pour apprendre comment lire la musique de manière fonctionnelle, pas deux ans de théorie musicale. Non, non. <laughs> T'sais, ce que tu as besoin là, pour comprendre, apprendre et jouer dans le concret des choses, c'est le chapitre 2. Tu vas va voir ça, tu vas voir, tu, tu vas me remercier. Je suis pas mal convaincu parce que c'est clair, c'est net, c'est précis. Puis une fois que tu as appris ça, avec les exercices qui sont là, tu vas être bien lancé, Annel. Donc, euh, voilà pour ça. <laughs> Anaïs qui dit... Oh, je la trouve drôle, celle-là. Rendue à 76, j'en referais un quand même, tu sais, juste pour être réglo. <laughs> je trouve ça très drôle. Euh, Marine-Dominique Fortin qui dit « Des fois, c'est pas 77, c'est juste 65. » Oui, et des fois, c'est juste aussi 46. <laughs> OK, donc faire des boucles, c'est ça. Alors, faire des boucles, ça, c'est une autre chose. On le dit, on répète plusieurs fois. Mais... Ce n'est pas juste de répéter. Il faut être en mode « Écoute, j'ai besoin de prendre encore davantage d'eau. » Cette pause est une présentation de Mildor Violon. OK. C'est pas tout de faire des boucles. Tu sais, répéter, faire des boucles, puis mettre son cerveau à off, là, ça se pourrait que tu répètes toujours la même chose. Quand on fait des boucles en musique, il faut être en mode « Analyse ». Il ne faut pas être passif. Il faut être actif. Est-ce que je l'ai réussi? Exemple là, j'ai un passage bien, bien bien simple. Je prends mon violon, là, je fais ça ici. C'est juste ça mon passage. Puis là, là, je le fais en boucle. Si je le fais en boucle, puis je fais toujours. Puis finalement, c'est pas beau. J'ai beau le faire plusieurs Là, je l'ai fait trois fois. Mais je n'ai pas pratiqué, je ne me suis pas posé des questions. Être en mode analyse, ça veut dire, OK, je vais jouer. Oh, attention, j'ai entendu un la là, là. Être actif, tu sais? OK, attention, je vais essayer de le faire sans faire le la. Pourquoi j'ai fait de le la? J'entends encore. Oh, c'est parce que je pousse alors que mes doigts, je ne les ai pas encore enlevés. OK, là, je... l'exemple est simple. OK, vous avez tout compris. Mais, des fois, c'est plus complexe que ça. Puis c'est simplement d'analyser. Qu'est-ce que je fais? Ok. Je devrais changer de corde avant de faire mon Mi. Parfait. Placer mes doigts d'avance, ensuite lever mon coude. Et là, je fais mes boucles. J'ai analysé, c'est quoi le problème? J'ai été en mode où est-ce que... Il y a deux choses. En mode analyse et en mode écoute. Et quand on est dans ce mode-là... Là, c'est intéressant de faire des boucles. J'essaie de trouver des solutions. Comment je peux faire mieux? Et ce n'est pas seulement de, de trouver la technique de l'escalier, je vais faire ça, 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 puis après ça, mettre son cerveau à off. Non, on reste toujours en mode analyse, on reste toujours en mode écoute. Est-ce que j'ai accroché une corde? Est-ce que j'ai entendu une mouche? Pourquoi? Et toujours être comme ça quand on fait des boucles, puis essayer d'améliorer, améliorer, améliorer. améliorer. Ça, ça peut être. Ça, encore une fois, je dis, il y a beaucoup de choses que je vais te dire aujourd'hui qui peuvent sembler être simples, mais tu sais, être en mode focus, c'est ça aussi. OK? Bon, alors, répéter 77 fois, je l'ai dit aussi. OK. Ça, j'aime beaucoup cette, cette façon de faire les choses. Je vais prendre un exemple simple. Là. Je vais prendre le, le cahier de l'élève de Mildor Violon. Puis. Diane qui dit « accent québécois ». Pourquoi accent québécois? J'ai-tu quelque chose? J'ai-tu quelque chose? Il me semble que je parle pas tant québécois que ça. Hein? Il me semble que je suis un français assez inter international. Qu'est-ce que tu qu que en penses? Il me semble que je suis universel, moulu. Je suis fluent dans les deux langues. OK. Je fais un exemple comme ça. Euh, Combien de boucles, Jennifer? Ben effectivement, le, le nombre de boucles détermi est déterminé par l'objectif que tu te donnes. T'sais. Encore une fois, combien de boucles? Euh, tu vas peut-être le réussir après 10 fois, puis tu vas peut-être avoir besoin. Si tu le réussis après 10 fois, faisant donc 20. T'sais. Pourquoi? Pour augmenter ton pourcentage d'efficacité. Moi, souvent, c'est ça que je dis à mes élèves. Si tu réussis après 20 fois, faisant 40. Si tu le réussis après 5, faisant 10. T'sais, parce que. Tu as réussi à le faire une première fois, c'est une chose, puis augmenter ton pourcentage d'efficacité, pouvoir le répéter de la bonne façon, c'est autre chose. Fait que je te dirais, tu as la moitié du chemin de fait quand tu as réussi à le faire sans erreur. Là, là, essaie de le répéter cinq autres fois, ou est-ce que tu le réussis bien? Fait que souvent, c'est plus ça. Il n'y a jamais un chiffre précis parce que les techniques sont difficiles de manière inégale. Tu as, as des choses qui sont très dures, qui vont te prendre beaucoup de répétitions des affaires qui sont dures, mais qui sont pas tu c'est pas la fin du monde non plus. Fait que ça se peut que ça prenne cinq répétitions pour une chose puis 20 répétitions pour d'autres. Fait que c'est vraiment adapté à la difficulté. Donc c'est ça. Mais gardez en tête quand je le réussis une fois, continuez à le faire. Moi, je dis souvent le double à mes élèves. Pourquoi? Pour pouvoir, après ça, le réussir plusieurs fois. J'ai été pendant 10 fois à ne pas le réussir, je l'ai réussi une fois. C'est pas fini le travail, là, tu sais. J'aimerais ça pouvoir dire que je le réussis dix fois pour pouvoir dire que, OK, là, je suis con, Là, mon pourcentage d'efficacité est, est plus élevé. Tu sais? C'est souvent ça. Ici, j'ai l'allegretto, OK? Un des trucs que je donne souvent à mes élèves, c'est de faire différentes facettes du jeu. Par exemple, c'est un exemple, il y a d'autres exemples quand on est rendu plus avancé. Là, je vous donne l'exemple pour un débutant. Chanter de différentes façons prendre son instrument, jouer en pédicato, prendre son instrument, jouer euh, avec l'archet. Ça, c'est différentes façons de voir le même problème. Je fais deux mesures ici, juste deux mesures. Okay? Ça fait euh, noir, deux croches noires, noir, deux croches noires. Si je fais cet exercice-là, clairement, je suis en train de travailler mes rythmes. Je garde, j'amène ça, ces rythmes-là, frais à ma mémoire. Je le fais plusieurs fois. Quand ça va bien, je pense que je suis confiant. OK. Là, je vais chanter les doigtées par exemple. 3, 1, 2, 3, 3, mi, 1, 2. Quand je l'ai réussi, je vais faire le nom des notes. Tiens, ré, si, do, ré, ré, mi, fa, sol. Quand je parlais de facettes tantôt, Anaïs, là, je viens de comprendre pourquoi j'ai marqué ça dans le titre. C'est ça, voir le même problème sur plusieurs facettes. La facette rythme, la facette euh, justement doigté, non des notes. Après ça, la facette, juste travail de la main gauche. Le pidicato est super bon pour ça. Ben, moins quand on est rendu avancé au violon, mais c'est une des choses qu'on peut faire au, dé au début, par exemple, juste pour se concentrer sur notre main gauche. Oh, J'ai eu de la misère, je recommence. Puis un, à, à force de le répéter comme ça, là, je deviens de mieux en mieux, c'est de plus en plus facile. Parfait. Là, je vais prendre mon archet. Tu sais? Et donc, je travaille divers aspects. Quand, quand ma main gauche est vraiment rendue facile, je l'ai fait plusieurs fois. Là, je peux me concentrer plus sur ma, ma main droite parce que c'est facile avec la main gauche. Et vous avez vu, juste avec, j'ai fait cinq façons différentes de faire le même extrait, mais. J'ai travaillé divers aspects. Okay? Donc, ça, c'est une chose. Puis, pourquoi j'ai fait de la lecture? Pourquoi j'ai chanté le doigté, non des notes? Parce que, moi, je remarque une chose. Quand on chante les rythmes, ça va bien. Tu sais, c'est n'as pas énormément de choix différents. Croche, noir, blanche. Souvent, ça va bien. T'sais. Pas pour tout le monde, mais souvent, ça va bien ou ça va mieux que quand on chante les rythmes avec des doigtés ou avec le nom des notes. Donc encore une fois, en termes de technique d'escalier, on fait les rythmes d'abord, après son on chante. Mais le chant est important, parce que si tu es capable de chanter dans le bon temps, souvent tes doigts vont être plus réactifs. En fait, il y a une corrélation directe. Je l'ai remarqué souvent avec mes élèves. Si mes élèves sont capables de chanter, souvent ils vont jouer à la même vitesse qu'ils qu ont réussi à chanter. Je te dis, la corrélation, c'est vraiment du 1 pour 1. Tu regardes les, les, les deux courbes là, de, de, de vitesse. Là, si tu es capable de chanter vite, souvent, tu vas jouer plus vite. Euh, et donc, souvent, ben, c'est une chose que je, que je fais travailler beaucoup à mes élèves. Du chant, du chant, du chant, du chant. Parce que je veux pas avoir un élève qui, par exemple, dans son temps de pratique, va faire... Do. Ah non, c'est un Ré. Non, non, c'est un dos. C'est un, un, un dos. C'est un. Ça, c'est ça. Non, c'est un. Tu sais, ça, là. <laughs> tu veux pas ça. Tu veux pouvoir lire vite. Fait que, Par exemple, voyez-vous que ce que j'ai fait là en ce moment, j'ai fait différentes facettes du même problème. Rite, doigté, nom des notes, puis dicato, archet. Il y a bien des façons de faire les choses. Comme tantôt, je vous disais. On faisait la technique de l'escalier, on faisait l'archet seulement, après ça on rajoutait des doigts. C'est un peu toujours le même problème, mais c'est de dire, je vais prendre mon problème, puis je vais le regarder de plusieurs facettes différentes pour graduellement devenir de mieux en mieux, puis de, de réussir de mieux en mieux. C'est bon? Je dis c'est bon comme ça, comme si je posais la question, mais il n'y a personne qui me répond. Je suis tout seul dans mon sous-sol. Mais vous êtes là, je vous lis. Euh, Annès qui dit, parfois on a tous des jours avec et des jours sans. J'imagine que tu vas dire des, des jours où on est bon ou on est moins bon. Euh, vaut-il mieux persévérer les jours sans et comment, ou vaut-il mieux se reposer et reprendre après euh, un peu de repos? Moi, je suis de l'opinion que c'est bon de toujours avoir le contact avec notre pièce, mais les jours où vraiment on ne l'a pas. Pas obligé de s'acharner non plus. Tu sais? Mais oui, le faire. Pourquoi? Parce que il est reconnu, scientifiquement parlant, que quand on dort, notre cerveau, notre cerveau assimile des choses. C'est incroyable. Et donc, comme je dors à tous les jours, ben, si j'ai fait du violon à tous les jours, le soir, il va peut-être assimiler un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est tellement vrai que si je te dis, je fais une heure par jour, j'ai 7 jours dans ma semaine, ou je vais pratiquer une fois dans ma semaine 7 heures, je te garantis que les résultats sont mieux si tu fait une heure par jour pendant 7 jours. Ce n'est pas mauvais faire 7 heures, c'est même très bon faire 7 heures dans une journée. Alors, on s'entend, c'est beaucoup. Là. <laughs> C'est très bon, mais tu vas avoir de moins bons résultats que si tu pratiques une heure par jour. Là, je suis avec des chiffres grosso, euh, gros comme ça, c'est beaucoup une heure aussi, là. mais euh, je, je connais nos réalités aussi. Là, t'sais. Mais t'sais, une, sûr, une heure, c'est bien quand tu es rendu un peu plus loin. Mais tu sais, mettons quand tu débutes, là, une demi-heure 45 minutes, c'est déjà bien. Mais ça va être plus efficace si tu fais ça que si tu fais un gros bloc à la fin de la semaine. Le gros bloc à la fin de la semaine, ton cerveau va moins bien l'assimiler. Donc, tu me demandes, est-ce que je devrais tout simplement laisser tomber cette journée-là? Ben non. Puis, euh, on joue, mais tu sais, des fois, là, on ne s'acharne pas trop les journées où ça ne fonctionne pas, mais en même temps, tu ne sais pas si le lendemain ça va être mieux. Tu ne sais pas si le surlendemain ça va être mieux. Puis, tu ne sais pas si la pratique d'aujourd'hui va t'avoir débloqué pour faire les choses. L'idée, c'est de ne pas ok. L'idée, c'est de dire, OK, je fais une bonne pratique, je me concentre, je fais de mon mieux. Puis à un certain point, si j'en ai, ai, fit, là, ai ici, là. J'en ai jusqu'ici, ben, arrête. Mais d'un autre côté, essaie de te dire que tu te rends au moins jusqu'ici. Rentre pas, rentre pas ici. Tu es capable. Fais-en un peu plus. Mais gardez le contact avec son instrument à tous les jours. Vous allez voir, quand vous le faites, puis vous jouez vraiment à tous les jours, vous voyez une, une énorme différence. En fait, tu dis ça, mais ben toi-même, Anaïs, je sais que tu joues régulièrement, puis j'imagine même à tous les jours, parce que je te vois, je te suis, je vois comment tu fais. D'ailleurs, je trouve que tu es une belle inspiration pour les gens, Anaïs, parce qu'ils te voient progresser, puis ils voient que l'effort porte fruit aussi. Donc, je trouve que tout à fait, c'est une bonne, une bonne chose. Euh, bonne idée, Isa et Pauline. Euh, pour moi, un jour sans, je choisis une pièce que j'aime et je m'amuse. Oui, ça peut être bien aussi. Garder le contact avec son instrument, par contre. Euh, et peut-être faire une fois ou deux le passage difficile. Euh, quand même, pour garder le contact, pour que le cerveau quand même assimile. Tout à fait. Euh, et tu disais aussi, qui d'autre aussi? Pauline. Euh, Pauline, 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 elle disait quoi? Allez je te dirais de faire quand même, mais d'en profiter pour régler des trucs que tu maîtrises presque. Ouais, ben oui, pourquoi pas. Effectivement, c'est une bonne idée. Donc, c'est ça, garder le contact quand même avec son instrument. Ouais. Euh, plein de pépites à retenir et à mettre en pratique pour s'améliorer. Merci, JF. Je vois la perspective de mes prochaines partitions à jouer. Génial, je suis content si tu vois ça comme ça. Alors, travailler diverses facettes. Multiplier les exercices différents, des exercices différents, pour travailler divers, diverses facettes du jeu. Comme chanter rythme, doigté, dans des notes. C'est trois choses différentes. Tu sais, jouer en pédicato, jouer avec l'archet, ça c'est des choses différentes. Mais il y a plein de façons différentes. Bref, c'est le principe que je veux que vous gardiez en tête. OK. Après ça, vous allez voir, c'est un, un, un peu la même chose, mais en même temps c'est différent. Une fois chanté, une fois joué. Chanter les rythmes, ensuite je joue. Je chante le rythme, ensuite je joue. Je chante le rythme, ensuite je joue. Cette technique de pratique-là là, est bonne pour tous ceux et celles qui ont de la difficulté avec le métronome ou qui ont un passage particulièrement difficile rythmiquement parlant. Parce que dès le moment qu'on joue avec notre violon, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on chante. Souvent, on va être capable de chanter noir, deux croches noires, noir, deux croches noires. Okay? Puis là, je le prends avec mon violon. Puis là, ça donne ceci. Voyez-vous, C'est plus le même rythme J'ai allongé des notes, c'est plus la même chose. Euh, et surtout quand tu vois des choses comme, par exemple, souvent je vais entendre ça, tu sais. Je place mes trois doigts, ça prend du temps, je lève mon coude. Après ces notes vont vite. C'est vrai que c'est plus, plus long à placer trois doigts, changer de coude, que de juste enlever un doigt. Mais c'est pas parce que la technique est plus longue qu'il faut nécessairement faire le rythme plus long. Okay? Parce que la pièce en tant, en, en tant que telle, tu sais ton métronome, lui, il s'en fout complètement si c'est difficile. Il est comme, le clic est là! 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 Non, il est là! <laughs> t'sais, okay? t'sais, le métronome, lui, il s'en fout complètement. T'sais. Puis en, à la limite, aussi, le but, c'est de pratiquer de manière à pouvoir le faire dans le bon rythme. C'est pas parce que c'est plus difficile qu'on doit se permettre de ralentir. Donc, quand on a ce genre de choses-là, on isole, on fait un petit bout, puis là, on fait une fois chanter, une fois jouer. Vous allez voir, c'est très puissant, ça aussi. Pourquoi? Je vais le chanter une fois. Noir, deux croches noires, noir, deux croches noires. Je mets mon métronome aussi pendant que je le fais. C'est encore mieux avec un métronome. J'ai le métronome Jean-François. Apprends à l'aimer. Pardonne-lui! Noir, deux croches, noir, noir, deux croches, noir. J'essaye. Oh mon dieu, je suis bien trop lent, ça marche pas. Prochain conseil. Si ça marche pas, on baisse un peu la vitesse. Jusqu'à ce qu'on soit capable. Du genre. Ok, je pense que c'est plus abordable ça. Oups, là j'ai de la misère. Je recommence. Oh, j'ai entendu mon là. OK. Là, je vais le faire plusieurs fois jusqu'à ce que, comme ça, je vais le faire sans le métronome. Je vais devenir meilleur à ne pas accrocher ma corde. Bon, là, j'y arrive au niveau de la, du doigté. Là, je vais faire la chose suivante. Je chante une fois le rythme, puis après ça, je vais le jouer. Chanter une fois, jouer une fois. Chanter une fois, jouer une fois. Noir. Deux croches noires, noires, deux croches noires. Oh, j'étais un peu lent là. Je recommence. Noir deux croches noires. Pourquoi je fais ça Noires, deux croches noires. Parce que je veux l'avoir frais à ma tête. Pourquoi Parce que quand je veux jouer tout de suite après. C'est frais à ma mémoire, justement. Ça me permet de l'identifier plus facilement si je fais des erreurs. Ça me permet de voir aussi, parce que je sais qu'est-ce que ça devrait sonner en termes de rythme, en termes de durée, parce que je sais où je devrais faire mes notes, parce que c'est là, là. C'est directement frais à ma mémoire. Ben, à ce moment-là, je sais que ce que je viens de jouer n'est pas bon. T'sais. Des fois, sinon, c'est qu'on va jouer, mais... On ne se souvient plus nécessairement c'était quoi le rythme exactement ou c'est pas concret. Là, tu viens de le chanter. Puis après ça, tu le joues, tu le chantes, tu le joues, tu le chantes, tu le joues. Et ça devient très puissant cette chose-là. Je vous le dis, vous allez voir, à chaque fois que vous avez un passage rythmique ou vous avez de la difficulté, là, essayez cette technique-là. Une fois chanté les rythmes, une fois joué. Ça, c'est puissant encore une fois comme, comme façon de faire. Après ça, il y a peut-être des gens qui se, qui se sont posé la question pourquoi est-ce que j'ai marqué complexité? Là, je vois qu'il est déjà euh, une heure et huit, là, ça a passé le temps. Je vais donner plus en rafale parce que je veux quand même que vous les ayez, les, les différents trucs. Pourquoi j'ai marqué complexité dans le titre? Parce que des fois, là, c'est une bonne idée de faire des choses de plus, rendre la, la, rendre la technique encore plus compliquée. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je joue encore le même passage, mais je m'oblige à chanter en même, le rythme en même temps que jouer, noir, deux croches, noir, c'est plus difficile, il faut en plus que je le dise en même temps que le jouer. Tu sais, je le chante, ou exemple, ré, si, do, ré. Hey, J'ai beaucoup de choses qui, qui se passent dans ma tête. Là, hein? Je vais placer mon doigt, chanter la bonne note, etc. Et souvent, là, quand on surcomplexifie, ça ne se dit pas vraiment, complexifier, c'est complexifier. Tu ne peux pas surcomplexifier, sauf si tu complexifies beaucoup plus. Mais ça, c'est exactement ce qu'on fait, justement. Quand on surcomplexifie, ou pour les puristes, quand on complexifie et on rend la chose plus dure, puis on le travaille beaucoup jusqu'à temps de le réussir au moins une fois, après, quand tu vas arrêter de chanter en même temps, tu enlèves soudainement tout un pan de la difficulté, puis on dirait que ça devient tellement plus facile de... Pourquoi j'ai rushé tant que ça? Pourquoi j'ai eu tellement de difficultés à le faire? Tu sais, parce que quand on joue quelque chose qui est trop complexe, on rajoute des niveaux de difficulté, Bien, après ça, quand on ne le fait pas, je te donne un exemple. Si tu es habitué de jongler en même temps, de jouer du violon, faire du hula hoop en même temps, là. <laughs> ça se pourrait qu'après ça, quand tu joues juste du violon, tu trouves que c'est facile. Tu sais? Fait que, <laughs> utiliser ça, utiliser la... De, de trouver des choses trop complexes. Comme par exemple, dans le cours de mille Violon, ce qu'on fait, si vous êtes abonné par exemple, on fait à un moment donné, on balance notre corps en même temps de jouer. OK? Puis il faut qu'on balance gauche, droite sur les temps. Donc mon corps est comme un métronome. Puis en plus, tu vois, je parle. Et. Et le but comme ça, c'est que comme on fait des choses complexes ensemble, après quand on ne joue plus, notre rythme est quand même bien internalisé, on réussit bien à faire les passages, donc complexifier, les, les, complexifier rajouter des niveaux de difficulté pour qu'après ça, ça devienne facile. Pourquoi aussi? Parce que quand on fait des choses encore plus difficiles puis on se rajoute des niveaux de difficulté, notre cerveau est obligé de dealer avec le rythme, puis de dire non, je ne l'ai pas réussi, garde, là mon rythme n'est pas bon. OK, là je l'ai pas réussi, là mon, mon Pourquoi? Parce que ma main a fait pas la bonne chose. Là, je ne l'ai pas réussi parce que mon doigt est arrivé en retard. Puis le fait d'essayer de tout faire en même temps, souvent ça nous fait prendre conscience que OK, pour réussir à tout faire en même temps, il va falloir que je règle ça, il va falloir que je règle ça, il va falloir que je règle ça, il va falloir que je règle ça. Puis on dirait que parce qu'on complexifie les choses, on devient plus habile à trouver son haut les, les points de problème. On, à les travailler, puis à être vraiment focus sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour arriver à notre objectif. C'est drôle, hein? Mais des fois, quand on fait quelque chose de plus dur, ça nous aide à, être plus, à le réussir plus facilement. Mais oui. Donc, vous essayerez ça, mais c'est dans certaines circonstances. C'est pas dans toutes les circonstances, mais certaines circonstances où c'est très bénéfique de rendre les choses plus difficiles. Une des choses que vous pouvez faire vraiment facilement, chanter rythme, doigté ou non des notes pendant que vous jouez, là, vous allez voir, c'est très complexe, mais après ça, dès que tu arrêtes de le faire, on dirait que c'est beaucoup plus simple de faire ton passage, ton extrait. C'est un petit truc que je vous donne comme ça. Euh, ensuite, il reste deux choses. OK. Mettons que tu fais un passage en boucle, comme on a parlé, augmenter la vitesse. Mais quand <laughs> on augmente la vitesse, si et seulement si notre technique est bonne. J'ai réussi à le jouer lentement. Parfait, j'augmente ma, vit ma vitesse. Ma technique était bonne. Je recommence. De la misère à avoir à garder ma main droite, de la misère à faire mes choses. Augmente pas ta vitesse! Surtout toi que ça fonctionne. Quand ça va bien, on augmente la vitesse. Ça va bien. Ma technique est respirée. J'augmente ma vitesse. J'ai pas fait de faute. Ça aussi, hein? Si seulement si, je n'ai pas fait de faute. Si seulement si, ma technique était bonne. La vitesse, c'est toujours la dernière des choses qu'on fait en musique. Donc, si tu veux augmenter ta vitesse, c'est graduellement qu'on augmente la vitesse. Mais on n'augmente pas à toutes les sauces. Regarde, je le fais une fois à 50, une autre fois à 51, une autre fois à 52, une autre fois à 53. Puis tu augmentes comme ça. Oui, c'est bien. Mais si déjà à 50, tu avais de la difficulté technique, augmente pas à 52, puis 53, puis 54. Tu sais... Il faut vraiment s'assurer de réussir avant d'augmenter la vitesse. Ça, mettez-vous ça dans la tête tout, le tout, tout de suite. Je dois le réussir sans erreur, avec la bonne technique, euh, les bons rythmes, les bonnes notes, avant d'augmenter la vitesse. On est souvent tenté de, de se pousser, mais de se pousser trop tôt. Donc faites, faites juste bien attention à ça. Et dernier truc de pratique, et vous allez m'aider. Euh, je, je, je lis ma mère, je comprends pas quest ce que tu veux dire. Euh, tu parles, je, JF parle du MP3 à éviter au début. Je ne sais pas quest ce que tu dis. Je euh, si peux clarifier. Euh, bref, euh, dernier, dernier truc que je vous donne aujourd'hui. Fermez vos yeux. Hein? Comment ça? Ben là, je suis pas capable de me voir dans le miroir si je ferme les yeux. Oui, c'est vrai. Oui, mais. OK, d'accord. Des fois, ferme tes yeux. OK? Pourquoi? Parce que souvent, là, ce que je remarque, c'est de la même façon qu'on disait tantôt, rentrer dans sa zone, quand on va fermer nos yeux, c'est fou comment on rentre beaucoup plus dans notre zone, c'est fou comment quand on ne voit pas, nos oreilles écoutent plus. Je ne sais, sais pas pourquoi je fais ça comme ça avec mes oreilles. <laughs> mes oreilles. <laughs> mes oreilles écoutent plus. Quand je ferme les yeux. Donc, exemple, je vais, je vais jouer, puis soudainement, vous allez entendre plus de détails. Vous allez entendre l'archet qui gratte un peu sur la corde. Oh, j'aime pas ça, je ne l'avais pas entendu avant. Je vais recommencer à jouer. Ouais, Je remarque que c'est toujours quand je commence. Puis c'est drôle, hein? on est beaucoup plus Et quand vous allez ouvrir, finalement ouvrir les yeux, là, vous allez voir, ça va faire tellement de différence. Ah ouais, hein? hey, j'étais donc bien dans, dans ma bulle. J'étais donc bien isolé. Ça, c'est un autre bon truc de pratique qui est très puissant. Bon, voilà, j'ai fait le tour de mes choses que je voulais faire aujourd'hui. Il y a d'autres façons, évidemment, de, faire, de mieux pratiquer son violon, mais je voulais vous en donner, justement, quelques pépites comme ça, comme tu disais tantôt. Euh, et donc, euh, pour le temps qu'il me reste, je veux juste m'assurer de bien vous lire. Donc, je regarde ici Elise qui dit Merci, JF, ce conseil. Je vais réfléchir à ma voix, tu as raison. Anaïs, c'est un bel exemple, comme euh, beaucoup d'autres, tout à fait. Jean-Pierre qui dit, est-ce est très utile de pratiquer des jeux de doigts? Euh, oui, je, moi, je trouve ça intéressant. Moi, je, les jeux, ben, hein, ça dépend de qu'est-ce que tu veux dire par jeu de doigts. Exemple, les jeux de doigts de l'étourneau euh, ont leur utilité, mais moi, je ne les fais pas faire comme les, les tourneaux, par exemple. Qu'est-ce que c'est les, les jeux de doigts de l'étourneau? C'est, par exemple, faire ça ici. c'est un juste un pattern qui se répète tout le temps. Moi je l'ai fait faire avec divers groupements. On ne on fait pas la pièce telle quelle, on, on se fout de l'armature, puis on choisit un groupement avant de commencer. Exemple, je choisis le deuxième groupement. Donc ou je choisis le troisième groupement. Bref, moi je les fais souvent travailler comme ça d'ailleurs dans le cours intermédiaire de 2000' violon qui s'en vient euh, d'ici octobre euh, j'ai euh, il y en a des jeux de doigts comme ça et c'est de cette façon-là que je l'ai fait travailler. C'est comme une façon d'en appliquer, de travailler nos, nos espacements, nos tons, nos demi-tons, et euh, bouger les doigts. Là, j'en ai, ai fait un exemple, mais il y a plusieurs façons de faire. Donc moi, je les travaille beaucoup plus comme ça, les jeux de doigts, en choisissant moi-même quel groupement je vais faire, puis ça me permet de devenir habile dans un groupement, dans une situation répétée comme ça qui, euh, qui, se, qui se fait. Et, et donc, euh, oui, est-ce est que c'est utile, euh, ta question? Oui, ça l'est. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh... Votre question. Donc, écrivez votre prénom en majuscule suivi de votre question, commentaire ou insulte. J'essaie de faire le tour. Euh, Isaac qui dit Pour moi, un jour sans. Oui, ça, ça je l'avais vu tantôt. Anaïs, tu, je t'ai répondu. Euh, dernière, euh, dernière chance, si vous avez des questions, euh, c'est le temps. Donc, écrivez votre prénom en majuscule suivi de votre question, commentaire ou insulte. Lise qui dit L'approche. Non, ça, vous vous êtes écrit. Euh, oui. Eric qui disait tantôt, moi je sais pas en phrase musicale, 4, 8 ou 12 mesures, c'est une bonne façon de faire effectivement. C'est toujours une bonne façon de limiter euh, sa, la taille, des, le, 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 le nombre de mesures qu'on fait. Des fois par contre, c'est plus intéressant de faire une boucle euh, avec une, un passage en particulier. T'sais. Même si, pas, euh, même si, exemple, ce n'est pas dans la phrase musicale, des fois, deux phrases musicales peuvent avoir un enchaînement bizarre, par exemple. T'sais? Donc, il faut faire attention de faire des boucles qui sont, qui sont surtout en fonction des techniques à travailler. Mais oui, c'est toujours une bonne idée d'y aller par phrase musicale de base, avant même de penser à où est ma difficulté. Au moins, tu limites ta pièce. Donc, c'est un, un, un bon exemple que tu dis là, euh, Eric. Euh, Dominique, il disait, après avoir travaillé des bouts de pièces, j'ai du mal à tout enchaîner après. Ah oui, ça, écoute, je suis tellement content que tu l'aies écrit. Tu as tout à fait raison, euh, Marie-Dominique. Quand tu fais des bouts et tu travailles en boucle, tu deviens habile. Puis après ça, tu dis, ok, je vais jouer à la pièce. Puis là, on, a, on fait encore les mêmes erreurs rendues là. Parce que tu as raison, c'est difficile, j'ai oublié de le dire tantôt. Quand tu fais des boucles, puis que tu, tu l'as travaillé, tu deviens mieux, là. Contextualise. Ça c'est bien. J'aurais dû le dire dans le fond. On joue la boucle, on contextualise, on repart d'un peu avant jusqu'à un peu après. Comme ça, ma boucle est plus grande, mais au moins est en contexte. J'ai fait telle note, puis après ça j'arrive à ma difficulté où j'ai fait telle autre note. Quand ça va bien, je recontextualise avec encore plus de mesures. Et de cette manière-là, on arrive à faire passer une technique qu'on a fait vraiment de manière isolée et la remettre en contexte pour qu'on puisse graduellement l'intégrer dans notre pièce. Parce que sinon, c'est vrai que des fois, c'est un peu comme si on faisait un travail à part, mais dans le concret, c'est une autre chose. Par exemple, je travaille mes passes au hockey, tu sais. Mais quand vient le temps d'être dans une partie, j'ai de la difficulté. Alors souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire, les entraîneurs? Se de dire OK, on va pratiquer les passes Oui, parfait. Là, maintenant, on va faire des mises en situation. OK? Donc, je contextualise. Je, 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 je vois à travers des joueurs, oups, je fais une pause. Euh, je, 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 je vais d'un autre côté de la patinoire pendant que j'avance, je fais une pause. Exemple. Donc, c'est ça qu'ils font, dans le fond, les entraîneurs, contextualiser. Jusqu'à ce que, pendant une partie, on dirait que ça vient naturellement, parce que, justement, ce que tu as fait, c'est que ton problème que tu as isolé, bien, tu l'as augmenté, 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 augmenté. Euh, de, tu l'as contextualisé de plus en plus pour devenir plus habile. Donc, c'est une super bonne intervention, ça me, Dominique, j'aurais dû l'avoir avant, d'ailleurs. Je pense que c'est ça, je vais aller voir s'il y a d'autres questions. Kanto qui dit Y a-t-il des échauffements particuliers à privilégier? Oui, les groupes, bien là, tu n'es peut-être pas rendu là, ça dépend, là, mais euh, je, exemple, groupement, gamme, jeu de doigts, euh, ce sont des choses qu'on va faire euh, et études. Okay? On va souvent faire ça en début de pratique, ces choses-là. C'est plus lourd un peu, mais justement, on, en début de pratique, on dirait qu'on a plus de motivation qu'à la fin de la pratique. Et souvent faire ces groupements par exemple, excellent enchaînement, groupement ascendant-descendant et plaqué, on verra ça peut-être dans un autre webinaire, mais oui faire ce genre d'entraînement-là qui est plus technique en début de pratique pour s'échauffer effectivement. Des jeux de doigts, là, répéter des choses, comme je pense entre autres deuxième étude, première étude, deuxième étude dans le cours violoniste débutant de Mildor Violon là, Très bon pour délier nos doigts là, et s'échauffer. Bon, parfait. Puis un coup que, que tout ça s'est échauffé. C'est un peu comme des échauffements au gym. Hein? On veut échauffer tout ça, on veut échauffer notre archet. Quand c'est fait, on a joué. Là, on dirait qu'on est plus en, en mode, OK, je vais jouer. Je ne suis pas très pour les échauffements hein, de, de style gym. Là. Je trouve que c'est un peu une perte de temps pour le violon. Mais échauffement, dans le sens que je vais faire des jeux de doigts, je vais faire des études, je vais échauffer mes doigts, les délier, etc. Ça, c'est très bien. Question dit Nancy, quelle note je pourrais jouer au violon qui ferait fuir les souris? <laughs> et je pense que ça conclut notre webinaire d'aujourd'hui. <laughs> euh, euh, voilà. Donc euh, et pour les débutants, tu dis Ben, exemple, si tu es vraiment, euh, si tu es vraiment ben, justement toi, tu es, es débutant, par exemple. Euh, ben, je te dirais chanter des exercices, chanter, doigter, rythme, nom des notes, c'est une chose qu'on veut faire avant, c'est frais à notre mémoire, ensuite on joue. Échauffement pour, pour le, le violon, ben, euh, je te dirais que quand on est au début, on n'est pas vraiment d'échauffer Si tu fais des petits mouvements simples, ce n'est pas, euh, euh, pas nécessaire. Par contre, si tu es rendu au niveau où tu fais, exemple, la première étude, je pense que tu vas l'être prochainement. là. Euh, là, moi, je, elle, je la mettrais, je la prioriserais. Si tu es rendu dans la capsule, ce que tu fais, les trois gammes, là, l'arrêt et ça, l'exemple sur « Mille dents violon », ça, ça serait un bon échauffement à faire au début. Ou jouer tout simplement, tu sais, quand que je parlais de groupement tantôt, jouer le, tes doigts monter et descendre. Plusieurs fois. Encore en t'assurant de jouer, euh, d'avoir des doigts qui sont au bon endroit. Juste ça, là, juste faire des, des trucs comme ça, ça peut t'échauffer. Euh, mais euh, c'est ça, quand on est très débutant, souvent c'est plus une question de penser à notre technique plus que de s'échauffer. Moi, euh, des, des exercices de poignet et des affaires dans même, là, pff, honnêtement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait besoin de ça. Fait que je vois pas euh, je vois pas l'intérêt de la chose. Euh, et d'ailleurs, j'ai demandé à une euh, ostéo. Je ne voyais pas trop l'intérêt non plus. Euh, Clara qui dit des techniques pour éviter l'épuisement. Ben, arrête avant d'être épuisé. <laughs> euh, éviter l'épuisement. Oui, c'est ça. Limite tes pratiques. En fait, garde. J'ai parlé justement à un spécialiste euh, de la pédagogie aussi. On, on a parti une discussion, tu sais, que ça m'intéressait. Tu sais. Puis on, 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 on jasait ensemble, puis ce qu'il me disait aussi, c'est il euh, faut y aller par petite étape. On va s'épuiser si on en fait trop pour le niveau où on est rendu. Puis, Ça a tout à fait du sens comme ça. Si j'ai jamais fait une heure de violon, fais pas une heure de violon. Fais 10 minutes. T as fait 10 minutes, ça fonctionne bien. Tu ne t'épuises pas, tu as fait 10 minutes. Le lendemain, peut-être faire 11 minutes. Tu comprends? Le lendemain, peut-être faire 12 minutes. Puis, comme ça, graduellement, c'est à peu près comme essayer de faire un marathon. T'sais, tu ne commences pas à faire le marathon, tu essaies de faire un kilomètre. Tu n'es pas capable de faire un kilomètre, fais 500 mètres. Tu n'es pas capable de faire ça, va au bout de ta rue. <laughs> T'sais, il faut s'habituer graduellement. L'épuisement vient du fait qu'on en fait souvent trop pour le niveau où on est rendu. Au contraire, on est mieux d'aller proche de notre limite, mais sans jamais l'atteindre. De cette manière-là, notre corps s'adapte. Puis de plus en plus, ben, on, de, on est capable d'en faire davantage. C'est pas vrai qu'on est, dans la vie, comme ça. Je me, propène, je me promène pas de même, moi, euh, quand, je, quand je, je dis bonjour, salut, ça va bien. T'sais, je m'en vais au dépanneur, là, je suis pas comme ça. T'sais. Je m'en vais faire mes emplettes, je ne suis pas comme ça. <laughs> personne n'est capable de garder les, les, les bras de même euh, euh, élevés euh, comme ça pendant trop longtemps au départ. Mais... À force de le faire à coût de 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, puis d'augmenter graduellement, bien soudainement, notre corps s'adapte. C'est à peu près comme quand on fait au gym 10 livres. Non, 5. <laughs> 5. 6. Aussi simple que ça. Euh, je suis perfectionniste, dit Clara. J'ai du mal à m'arrêter quand je ne suis pas satisfait du résultat. T'as tout à fait raison, je peux te comprendre de, tout à fait. fait c'est pour ça, c'est de trouver après ça le bon dosage, tu sais. Mais je te, écoute, je te comprends tellement. Moi, je, je joue quelque chose, je suis pas content du résultat. Je. <laughs> vous de là. Je fais une pratique, <laughs> ok Tu peux pas m'enlever. Mon but est là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Euh, je, Peut-être que ton corps n'est pas rendu là, puis à un moment donné, peut-être qu'il le sera, puis là, tu le feras comme ça. Trouve le bon dosage pour justement pas t'épuiser, mais continuer. Puis au fil du temps, ta capacité à pouvoir maintenir, elle va, va s'augmenter. Donc, euh, voilà. Euh, je suis content. Euh, Clara, tu me dis que ton webinaire aujourd'hui va beaucoup m'aider. Merci. Écoute, ça me fait tellement plaisir. Je vois que, écoute, ça fait longtemps, le, ça a été un long webinaire aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Euh, tellement content d'avoir été avec vous. À tous les dimanches, donc on a un webinaire. La semaine prochaine, on rencontre un luthier et ils vont on, on va parler donc de l'instrument et on a des sujets très intéressants qui s'en viennent. Donc euh, voilà, euh, restez au courant en regardant euh, le groupe Facebook Violoniste débutant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, tout le monde. C'est comme... Pour toujours, comme toujours, euh, super intéressant d'être avec vous et un privilège pour moi de vous enseigner à toutes les semaines. Allez visiter mildorviolon.com euh, pour euh, apprendre le violon. Vous allez voir des trucs comme ça, il y en a à la tonne. Merci d'avoir été dénoncé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et prenez soin de vous autres. À la prochaine. Bye bye. Bye Nancy, bye Clara, bye Isabelle, bye. Euh... Tutoriel bye. vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.